Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil sur une petite découverte assez fun sur Plants vs Zombies. Oui. Alors pourquoi ce jeu? Pourquoi? Mais pourquoi Ness tu fais ça? Eh bien il y a une petite histoire en fait qui fait que je suis sur ce jeu. Alors désolé c'est pas hyper joli parce que normalement ça se joue en tout petit, en fenêtré au milieu de l'écran. Mais dans ce cas là c'était pas mieux parce qu'il fallait que je découpe et que je réagrandisse pour que vous ayez un écran potable sur la vidéo. Donc on va laisser comme ça, même si c'est un peu pixelisé donc ça m'agace un peu. Mais c'est pas grave, tout ne peut pas être toujours parfait, Ness détends-toi. Et donc pourquoi ce petit jeu? Eh bien en fait, il y a une semaine ou deux de ça, on a été jouer à WoW avec les Valkyries. Ça nous arrive de temps en temps, assez rarement, mais de temps en temps. Et Akko nous a amené à un endroit pour gagner un petit pet, un petit familier tournesol. Et donc, on s'est retrouvé à faire ce jeu, en fait, techniquement dans WoW. Hein, on avait un champ, on devait mettre des plantes pour empêcher les zombies de passer. Et j'ai trouvé ça super fun. J'ai eu l'impression de ne pas être mauvaise, ça m'a bien fait rigoler. Et Akko m'a dit, mais tu connais pas ce jeu Plants vs Zombies, parce que c'est la même chose. Et non, bah non, je connaissais pas. Et donc voilà. Elle me l'a, en fait, dès qu'on a terminé de jouer à WoW, qu'on s'est dit bonne nuit, j'ai arrêté le jeu et j'ai eu un message de Steam me disant, vous avez reçu un cadeau. Et donc Akoris me l'a offert, ce petit jeu sur Steam. Alors voilà, du coup je me dis, allez, la découverte, je vais vous le faire en vidéo parce que c'est possible que mes bêtises vous amusent, hein, parce que vous regardez souvent beaucoup mes bêtises. Vous aimez. Alors on y va. Alors je sais pas, entre minigame, survival, start adventure, ce qu'il faut faire, donc on va tester un peu. Hein. Allez, un petit start adventure. On va voir ce que ça donne. On va quitte à essayer un petit peu tout rapidement. Ouais, ok, d'accord, c'est vraiment ça, effectivement. Et c'est les petits tournesols qui chantent. La 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 la. Bon, là on gagnera pas de petits tournesols, quoi. Ça, c'est ma maison, d'accord. Donc les zombies, ils sont pas beaux, d'accord. Ah bah alors, si c'était aussi simple de mettre du caisson. Hop, ah, c'est en anglais, mais je pense que je devrais comprendre, puisque j'ai compris le concept. Ah, il paraît. Ah, c'est effectivement, c'est mais exactement la même chose. On connaît que les petits soleils, on met des plantes qui tapent. Ok, c'est exactement la même chose. Du coup, c'est en anglais. Je suis une quiche en anglais, mais c'est la même chose que Ark. Que Ark. Pardon, que sur WoW. Non, il n'y a pas ça sur Ark, pas encore. Qui va nous faire un mode comme ça sur Ark? Voilà, bon bah oui, c'est la même chose. Hein. Donc on prend les petits soleils, c'est de l'énergie, et les petites plantes, elles tuent les zombies. Ok, c'est bon, j'ai compris. Plante suivante. Et si on n'arrive pas à tuer les zombies, c'est la tondeuse qui tombe. Qui tombe tout. Ok, jusque là, c'est bon. Il y a d'autres options dans le menu? Ah non, c'est toujours ça. Non, c'est bon. Non, c'est bon, pardon, excusez-moi. Pardon, pardon, excusez-moi. Je ne voulais pas vous perturbifier à ce point. Ah, vague finale, ça va. Ils nous enquiquinent pas trop longtemps. Parce que bon, c'est pas le jeu le plus speed du monde au début. Hein. C'est. Il y a un certain calme. Il y a un petit côté zen qui ne dure pas. Mais ah, on a débloqué les petits tournesols qui donnent des soleils. Eux, normalement, ils vont nous donner des soleils si c'est comme ce que j'ai fait. Next level. Welcome. Non, il n'y a pas écrit welcome devant chez moi, c'est bizarre. Ah, on a plus d'air. Mettez un petit soleil pour avoir de l'énergie. Ouais, des soleils. Ouais, des soleils. Ouais, remettez des soleils. Ou je peux jouer moi-même ou vous allez tout me dire du début jusqu'à la fin. Ouais, des soleils. Des soleils. Non mais moi j'aurais voulu remettre un petit peu de dégâts à un moment donné. Oui, des soleils. Oui, des soleils. Oui, il faut caca des soleils. Ouais, ça va cogner. Ah mince, j'aurais dû attendre de voir par où ils arrivaient. Tant pis. Erreur de ma part. Puisque ça tire devant lui. Et uniquement devant lui. C'est pas grave. Hop là. Allez, faites caca des soleils. Allez, des caca des soleils. Oui, plein de caca des soleils. Hop. Ah, bah il y en a un autre là-bas. Toi, je t'ai vraiment mis pour rien, mon coco. Bon, à un moment donné, t'auras peut-être des zombies.
Voilà, voilà, vite, des soleils, vite, un soleil, vite, maintenant, tout de suite. Faites caca un soleil, merci. Voilà. On a l'impression qu'il lance des petits pois, mais c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être bien ça, en fait, qu'il lance... Bon, il n'y a pas assez d'énergie, là. Redonnez-moi de l'énergie, faites caca des soleils. Il cogne toujours le machin, on dirait. C'est la blague du poulet sans tête. Hop là, là. Eh ben les petits gars, vous faites pas beaucoup caca des soleils, hein. Vous allez pas très vite. Hein. Ah ça y est. Ouais. Là il y en a déjà deux. Ça c'est le petit jeu idéal, vous voyez, vous avez 10 minutes dans une journée, vous faites chier, hop, vous faites un petit niveau de ce truc. C'est tip top. Bon, on va mettre 3 par ligne. Oh là là, une vague de zombies approche, on va tous mourir. Non, pas ça, au secours. Final. Avec le drapeau cervelle. Oh, c'est abusé. Le petit drapeau cervelle qui va bien. C'est ça votre vague de zombies? Vous êtes sérieux? Vous avez pas un petit peu plus féroce que ça? Non, parce que là, il va falloir y mettre du vôtre, les gars. Parce ils vont canner, vos zombies. Bloup, bloup, bloup. Ah, maintenant, on a des cerises. Ah, je les connais pas, les cerises. Elles ont l'air vénères, les cerises. Ouais, d'accord. On va voir ça. Elles avaient l'air... Vous ferez attention, les gars, vous avez des pylônes sur la tête. Elles avaient l'air vénères, hein, les cerises. On va voir ce que ça donne. Elle coûte cher par contre. 150. Ben mon vieux. Hop, les petits soleils mignons. La 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 la, les petits soleils. Ah, ça va être tellement top ce jeu quand je sais pas quoi faire juste avant de dormir et que j'ai envie de me faire un petit jeu. Ça va être au poil. Non, pas au poil de cul, non. Je vous ai entendu. La moitié d'entre vous ont dit ça dans leur tête. Non, pas au poil de cul. Voyons, mais voyons. Bonjour. Allez, petite plante. Mange le méchant zombie, petite plante. Je voudrais essayer de cerise quand même. Allez, encore des sous, enfin de l'énergie. Et donc une cerise, genre là. Ah, d'accord, c'est une simple bombe. 150 pour faire ça, bah, mon vieux. Ah ouais. Ah ouais, donc c'est vraiment à mettre s'il y a un gros tas et qu'on n'arrive pas à le gérer, quoi. Ok, c'est de la cerise vénère explosive. Et bah pour le moment, on va se contenter de lâcher des petits pois. Mais attendez, monsieur, pardon, vous avez perdu un bras. Faites attention, vous devriez le ramasser, sait-on jamais. Ça pourrait vous servir. Ah carrément, t'es comme ça, toi. T'es super vénère. Ok. Bah écoute, mes petits pois aussi. Là, les petits pois, toujours des petits pois. Ça donne quand même pas un max. Bon, on va en mettre 6, mais ça donne pas énormément. Hein. Pour le coup, vous devriez faire caca plus vite que ça. Hein. Voilà. Hop. Oh ! Mais tu manges des cerveaux, tu manges pas des plantes normalement. Ok, ça se corse un petit peu. D'accord. Ce sont des choses qui arrivent. Oh, mais il mange mes plantes, lui. Saligo. De l'énergie, de l'énergie. Il nous faut une cerise. Vite, 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 vite. De l'énergie. Encore une. Oui, oui, oui. Non, mais oh. Sale bête. Pour qui tu te prends? On mange pas mes plantes. On va bouffer des cerveaux. Ça, ça pète le truc. C'est n'importe quoi. Mais pourquoi celui-là, il mangeait les plantes? Les autres, ils mangent pas les plantes. C'est bizarre. Vous avez des bizarres? Comme c'est bizarre. Ah mais si, il les mange! Oh les saligots des enfers! Voilà, c'est bon, ça avance.
Arrêtez de manger mes plantes! Oh là là! Ah bah tu fais moi le malin hein, maintenant. Ah, c'est maintenant que ça va piquer. Bah on va utiliser des bombes. On va garder l'énergie. Et on va utiliser des bombes parce que je suppose qu'on peut en tuer plusieurs avec les bombes. Donc on va se monter l'énergie et on va se faire quelques jolies bombes en espérant que ce soit la bonne tactique. Hop, genre... Ah oui, déjà ! Ah oui, déjà ! D'accord. Ok. Ok, ok. Ah ouais, faut le temps que ça se recharge ! Ouais, mais c'est bon, là, il va mourir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette chose ? C'est une graine. Ça bloque les zombies et protège les plantes. Oh. Et c'est quand que je récupère mon jardin entier, non ? Non, jamais ? J'ai qu'un petit jardin comme ça ? Ah, ça y est, les choses... Les vraies choses, comment ? Le vrai... Oh, ça coûte que 50, c'est cool. Hop, on met un petit tournesol. Petit soleil. Non, je vais prendre une patate. Enfin, c'est pas une patate, c'est une graine, mais... Ouais, non, mais on a de l'énergie. Ah, bonjour. Tiens, mange ça. Et là, hop. Ah ouais, du coup, il mange ça. Ça lui prend du temps, je suppose. Je suppose que c'est plus long de manger ça qu'une plante. En plus, ça coûte moins cher. Ah ouais, il galère. Oui, oui, des petits cacas de lumière. Et pendant ce temps-là, il se fait casser. Voilà, ok, ça marche, impeccable. Ah, en voilà un là-haut. En voilà un là-haut. Hop, tiens, petite graine. On manque d'énergie, hein, pour le moment, très clairement. Hop, on se remet de l'énergie. Voilà, super, merci. Parce que là, il nous faut ça. Hein. Allez, faites caca des lumières. Merci, super. Tu le... Oh, la pauvre graine, il manque sa tête, quoi. Allez, on se dépêche, on fait des petits soleils. Super, c'est génial, merci les gars. Hop. Ah merde, je me suis gouré de lignes. Mange une graine. Ah, le boulet. Ness, remets tes yeux correctement. Comment on se prend au jeu? Mais n'empêche, je suis sûre que c'est ultra addictif comme jeu. Ah, les graines, elles se rechargent seulement. Mince. On va tirer dessus, toi. Hop. Il va falloir... Ouais, il va falloir ça pour gérer monsieur. Et j'aimerais bien une graine pour lui, là. Petite graine? Une petite graine? Oh là, bah on en a de la lumière. On va mettre une graine là. Faudrait qu'on mette en fait une rangée complète de graines. Et comme ça, le temps qu'il mange les graines, et bah les plantes. En fait, il faudrait une graine et au moins deux plantes. Et ensuite, un ou deux tournesols. Je pense que ce serait plutôt pas mal. D'ailleurs, on va se remettre des vendeurs, des donneurs d'énergie. On va se remettre une plante là. De toute façon, on va essayer d'en mettre deux par ligne. Et donc, on va essayer d'avoir une graine par ligne aussi. Parce qu'elles prennent cher là, les pauvres. Hop, je t'en remets une, tiens. Ok, ça arrive, les zombies. Ah ouais, mais par contre, elles sont lentes à recharger, ah mince. Énergie, énergie, s'il vous plaît, énergie. Voilà, c'est bien, les petits gars. C'est bien, c'est bien. Ça commence à être le merdier, hein. Arrêtez de manger mes petits pois. Ah mince. Il faut une graine là. Il faut une graine. Oh, ah ça va, il est mort. Une graine. Des lumières. Lumière, lumière, lumière. Caca de lumière. Caca de lumière. Hop là. On va y arriver, on va y arriver. Il nous manque encore deux trucs apparemment. Hein. Hop, allez. Un peu de lumière, un peu de plantes. Toujours plus de caca. Oui. Caca de lumière.
C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ah, non, pas la vague. Pas la vague, pas la vague. Hop. Hop. Du coup, il y a une rangée où on n'en a pas. Faudra utiliser... Ah ouais, non, puis là, on n'en a qu'une. Falloir utiliser de la bombe. Hein. Si nécessaire. Hop, tiens, meurs-toi. Voilà. Bon, en fait, c'est bon. On a fait... Déjà, c'était ça, la vague. Vous êtes sûr? Il n'y en a pas d'autres? Il n'y a pas des boss ou non? Oh, une pelle. Ça qu'on a gagné cette fois. J'aurais préféré une plante, moi. Une pelle. Ah, ça permet peut-être... Ah, ok, quand on s'est trompé. Voilà, pour mettre une autre plante. Bonjour. Bonjour, Tev. Bonjour, Crazy Dev. D'accord. Et donc voilà, on fait ça et à la place on met notre plante. Oui, j'ai compris. Voilà, on enlève les plantes et à la place on met notre plante. Oh, oui, bonjour. Parce que je suis fou. D'accord. Mais j'ai pas compris votre ligne, monsieur. Mais c'est pas grave. En vrai, j'ai pas compris ce qu'il dit. Oh, on fait du bowling. Et celle-là, c'est une qui doit exploser. Ah, c'est rigolo. On fait du bowling de zombies. Ouais. Oh, il est costaud, lui. Attends, je t'en mets un qui explose, toi. Ouais, c'est trop rigolo. Encore. Encore. Oui. Oh. Et non, mais non, 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 non. Il commence à y avoir du monde, là. Il va falloir m'en donner plus que ça, Dev. Hein. Dev, où n'est ? Il m'a... Oh, ah oui, d'accord, ça explose de zone. Je pensais pas que ça explose aussi bien, moi. Là. Ah, j'aurais peut-être dû attendre un peu plus longtemps qu'il y en ait... Oh, mais ça... Ça ricoche. C'est du vrai bowling. Allez, les deux. Yeah. Par contre, du coup, la pelle, on peut pas foutre sur la gueule des machins avec la pelle. La pelle, elle sert plus tellement, là. J'aimerais bien un explosif, Dev. Merci. Yeah. Yeah. Bonjour. C'est la vague finale. Et tum tum. Pourquoi ça en a pété qu'un? Ah non, 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 ils sont trop près, eux. Non, cassez-vous. Là. Ah, j'aurais dû mettre... Ah si, ça va, j'en ai eu deux. Non, il est plus près, celui-là. Ah, il était plus près. Là, lui. Vite, une noix, une noix, une noix, une noix, une noix. Yes. Et du coup, on a gagné... Une taupe. Ça doit pas être une taupe, mais... Ah, c'est une bombe graine, d'accord. Ça, c'est une vraie bombe. D'accord. Oh, il a un javelot. Non, il a pas un javelot, c'est un saut à la perche, ça. Et du coup, on a une nouvelle plante. Et par contre, maintenant, on peut enlever quand on a fait une erreur. Ok, ça, c'est top. Bah c'est reparti, mon kiki. Je sais pas trop si pour vous c'est intéressant. Hein, vous me direz ce que vous en pensez, ceux qui sont encore là. Coming. Coming. On va essayer la bombe. Hein. On va la cacher là. En tout cas, moi je m'éclate. J'adore ce petit jeu. C'est le petit jeu crétin, quoi.
Franchement, c'est le petit jeu crétin, mais qui est bien rigolo. Ah. Ah, tu sors au bout d'un moment ? Bah, cache-toi, ils vont te voir. Ah bah non, monsieur, vous trichez, là. Et puis d'ailleurs, si je mets pas de plantes, ça sert à rien. Il a pas marché sur ma bombe. Ouais. Allez, plein d'énergie. On va plutôt mettre des bombes. Enfin, des bombes, des... Bon, vous m'enquiquinez, vous, là. Il a mangé la bombe. C'est quoi, cette blague? Il a mangé la bombe. Mais c'est une blague. Pourquoi elle a mangé la bombe? J'ai pas dû comprendre comment ça fonctionnait. J'ai pas dû tout à fait tout bien comprendre comment ça fonctionnait. C'est rigolo la petite musique et tout. Bon, je pense que c'est le genre de truc que vous pouvez jouer en écoutant autre chose. Hein, c'est le moment de sortir une série ou des vidéos YouTube. À mon avis, il y a moyen de faire deux choses en même temps. Enfin, d'écouter autre chose. Écoutez, pas forcément regarder autre chose, mais écouter autre chose. Ouais, parce que pour le moment, il n'y en a pas là. Hein. Hop, on se met plus de soleil, toujours plus d'énergie. Oh, le Vlad, lui, il me fait peur avec sa lance, lui. Ah, forcément, j'ai rien mis là-haut. Bah oui, je suis un boulet. Et si je retire ça, je récupère l'énergie ou pas? J'ai pas fait gaffe, au final. Ah, mais non, c'est pas là que je voulais le mettre. Oh, le saligo. Bon. Ah non, on peut pas choisir de le mettre nous-mêmes, d'accord. On peut pas choisir de tondre nous-mêmes. Oh, mais c'est des saligots, ceux-là. Oh non. Oh, ça tombe pas les plantes. Oh, c'est bon, ça. Bah, du coup, il passe au-dessus des bombes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se taper la mine à un moment? Donnez. Ah, oh, j'ai même eu un succès, dis donc. Ah ouais, du coup, ça fait des... Ok, ça fait deux zones, elles se répondent toutes. Ok, on remet un soleil. Je la sens moins, cette partie-là. Je me sens moins efficace. Hop. Ah, ça y est, c'est la vague finale. Bah, je suis pas prête. Je me sens techniquement pas prête. Il n'y a qu'une bombe. En plus, elle est bien visible. Non, mais eux, ils sont infects. Oh là là, tirez-moi là-dessus. Alors, on va peut-être économiser de l'énergie pour se faire des petites cerises. Hein. Ça me paraît pas mal. Des cerises. Ou pas. Ah oui, c'est celle qui crache, celle-là. Bah, celle-là aussi. Bah, alors, celle-là, elle crache quoi? Plus, mieux. Parce qu'elle va cher, celle-là. Ah, elle congèle. D'accord. Bon, bah, je pense que là, on a toutes les plantes. Donc, c'est... C'est, voilà, dernière partie avec toutes les plantes. Allez, on se fait tout, hein, on va pas attendre. On se fait tout. Comme ça, on aurait fait tout l'espèce de tutoriel. On aura tout vu. 175, quoi. Il va en falloir des caca-soleil. Je vois le thé. Des caca-soleil. Plein de caca-soleil. Là. It's coming. Hop, une petite bombe discrète. Elles sont pas chères, les bombes. Hein. Hop, vite, du soleil. Allez, un petit soleil. Hop, un petit soleil, il va me falloir une patate. Une patate. Oui, c'est une graine géante, mais on dirait une patate. Oh, mais non! Il n'en parle pas. Tiens. Ah, mais non, je l'ai mis trop tard, il va la manger. Ah! Sale bête! Tiens, en enfer, des sales bêtes!
Allez, les petits cacas de soleil, on se dépêche. C'est stressant, tu sais, c'était là, mais j'ai mais juste l'énergie, il me manque juste l'énergie, donnez-moi mon énergie. Ah, oh, mais il y en a là qui arrive. Il me faut une patate, une patate. Eh, c'est pas une patate, je dis ce que je veux d'abord. Si je dis patate, je dis patate. Là, plutôt bien protégé, toi. Eh ben oui, il y en a un qui arrive en haut. Forcément, hein. Forcément, forcément. Allez, l'énergie, on monte. Oui. On va mettre une graine là. Faut le tuer là. Ah, il va manger les plantes. Ouais, bah là, il va falloir que la tondeuse, elle bosse. Ouais. Là, cette rangée-là, elle est foutue pour le moment. Ça va être à la tondeuse de nettoyer. Ah, là. Hop. On en a du monde, on en a. Oh, bien évidemment, je l'ai mis. Pour le moment, il n'y a personne. Parce que sinon, c'est pas drôle. Oh, bah, on en a de l'énergie, là. Oh, toi, tu vas me casser les pieds. Voilà. Oh non, je suis pas prête. Oh non. Oh non, je suis pas prête du tout, là. Ah non, là, je suis vraiment pas prête. C'est une catastrophe, là, ce qui m'arrive. Je suis absolument pas prête. Mais pas du tout. Pas du tout. Mais pas du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Non, mais bouffe les bombes, quoi. Non, mais vous êtes sérieux? Sérieusement, quoi. Le sérieusement du sérieux, là. Allez, hop. Il nous refaut des plantes, là. Il nous refaut. Vite. Oh non, pas lui. Vite. Je serais pas contre une petite cerise. Trop tard. De toute façon, il passe dessus, lui. Oh, mais il passe dessus tout. Il me faut une cerise. J'aurais pas dû dépenser l'énergie. Il me faut une cerise. Une cerise. Lui. Et l'autre chieur, là, pareil. Ça va être la même, hein. Non! Ils sont passés comment? Ah! Je me fais légèrement submerger. Oh, puis le cerise, le temps qu'elle recharge, quoi. Ok, tondeuse. Gel ce con. Merci. Ah non, il est en bas. Ouais, c'est pareil. Il y en avait un aussi. Non. Il n'y a plus de tondeuse à cet endroit-là. Il faut une bombe ou on est mort. Eh ben, on va être mort. Parce que j'aurai pas de bombe. Il va rentrer chez moi. Non, il rentre chez moi. Non, je veux pas de zombies dans mon salon. Non, je veux pas de zombies dans mon salon. Voilà. Il rentre chez moi, il me mange le cerveau. Mais on fait... Mais on fait comment pour se débarrasser de ceux qui sautent? Game over. Bon, et ben on termine la vidéo par un game over. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? J'ai encore des petites subtilités à apprendre avec ces enquiquinants qui sautent. Donc je pense que ceux-là, il faut les congeler, les ralentir en les congelant. Ils doivent moins bien sauter quand ils sont congelés. Encore merci à Ako pour ce petit jeu, parce que je vais bien fendre la gueule avec. Et si vous en voulez plus, parce qu'il y avait d'autres modes de jeu hein, qu'on a vu au début, je en referai une petite vidéo avec grand plaisir. Parce que moi, de toute façon, je vais y jouer. Ça va être mon petit jeu quand j'ai un peu de temps et que j'ai envie de jouer au calme. Au calme, ouais, des zombies qui vous mangent le cerveau, il y a plus calme, mais bon. En tout cas, je vous fais des boujoux, je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde. Yeah. Time flies, close your eyes. Imagine.
imagine you could see everybody else's dream, what a comfort it would be.